Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ma cure à l'oignon et je me suis dit pourquoi ne pas vous filmer ça. Donc, je vais vous montrer pas à pas comment j'utilise l'oignon pour faire pousser mes cheveux. Donc, je vais utiliser de l'oignon rouge. Vous l'aurez remarqué, je préfère l'oignon rouge aux autres types d'oignons parce que l'oignon rouge est plus riche en soufre que les autres. Donc, nous allons utiliser de l'oignon rouge. Et ici, j'ai de l'oignon que j'ai déjà épluché et lavé. Et maintenant, je vais les râper. Si vous avez un blender, vous pouvez l'utiliser et après filtrer le jus. Je vais ensuite rajouter un ingrédient spécial qui est un purifiant qui va purifier le cuir chevelu et assainir le cuir chevelu et qui va arrêter toutes les démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Restez avec moi jusqu'à la fin. Pour vous détailler un peu les bienfaits de l'oignon sur les cheveux, l'oignon est riche en soufre et spécialement l'oignon rouge est très riche en soufre et c'est le soufre qui va activer la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu et faire pousser nos cheveux à la folie. Je vous assure, l'oignon est vraiment, vraiment efficace pour la pousse des cheveux. L'oignon viendra également fortifier les cheveux. Si vous avez des cheveux secs et cassants, l'oignon va fortifier la fibre capillaire et empêcher la casse, empêcher également la chute des cheveux. Et après avoir râpé mon oignon, je vais finaliser en l'écrasant avec un mortier de cuisine. Donc, si vous avez un blender, ça passe rapidement. Donc, après avoir écrasé, voilà ce que j'obtiens. Une pâte, la pâte d'oignon. Je vais filtrer avec mon foulard. Vous pouvez utiliser un vieux collant propre pour filtrer. Et nous allons obtenir le jus d'oignon. Avant l'application, je vais rajouter mon ingrédient phare, mon ingrédient chouchou. Il s'agit du miel et je vais rajouter autant de miel que vous voulez. Voilà, donc je rajoute du miel et je mélange bien. Si vous souffrez d'alopécie, l'oignon est le remède idéal pour venir à bout des problèmes d'alopécie à cause de sa forte contenance en soufre. Thank you.
Voilà, j'ai fini l'application. Maintenant, je vais laisser poser pendant 2 heures. Je vais faire la cuisine, le temps de finir et j'irai rincer. Donc, voilà ma recette de grand-père. Voilà ma recette de grand-père pour la pousse des cheveux. J'espère que cette recette vous fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. N'hésitez pas à me donner des retours dans les commentaires. C'est une recette vraiment efficace. Donc, on est arrivé à la fin de la vidéo. Si tu l'as aimé, laisse-moi un like. Si tu as des questions ou des commentaires, laisse-les dans les commentaires et n'hésite pas à partager cette vidéo. Et abonne-toi pour rejoindre à la communauté. On se dit à tout de suite.